Les Égyptiens poursuivent leur combat contre le pouvoir en place. Des manifestants détruisent une par une les barricades en béton érigées par les militaires lors de la révolution. Ces véritables murs bloquaient les avenues menant au Parlement et à la place Tahrir. Pour beaucoup, le démantèlement de ces barricades est une manière de poursuivre la lutte. Au début, les jeunes activistes de la révolution faisaient des graffitis sur ces murs. Ils voulaient exprimer leur rejet des méthodes appliquées par les nouveaux dirigeants qui veulent isoler les jeunes et les tenir loin de la rue. Mais aujourd'hui, on préfère détruire ces murs et dire que la révolution égyptienne n'accepte plus aucune barrière. Une opération qui doit son succès à Internet. Beaucoup de jeunes ont répondu à l'initiative No Walls, pas de mur, relayée par les réseaux sociaux, invitant les internautes à démolir les barricades. L'idée, c'était de démolir un mur qui gêne la circulation dans une des grandes avenues du Caire. Nous sommes contre ces murs érigés le long des rues qui symbolisent l'oppression. Mais ce mur doit être démoli. C'est comme ça. Nous avons donc invité les gens à prendre part à notre initiative. Beaucoup ont entendu notre appel. Nous avons utilisé tout ce qui pouvait nous servir. Nous avons utilisé des câbles, des cordes. Nous avons fait tout ce qui est possible pour détruire le plus possible ces blocs de béton. Une opération pour rappeler également aux militaires que les Égyptiens restent attentifs à la prochaine échéance, le transfert du pouvoir à un gouvernement civil dans moins de 2 mois.